Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, cette petite vidéo, déjà pour vous dire bonjour, j'espère que la rentrée s'est bien passée, que les énergies sont positionnées de façon à vous apporter de la force et surtout de la réussite dans vos projets. Si cette vidéo vous plaît, si vous aimez vous aussi le tirage des oracles, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et pourquoi pas à partager. Allez, on regarde ensemble. L'accident, la destruction, l'ennui et les rencontres. Alors, je suis sûre qu'en voyant cette carte, vous avez commencé à paniquer et à vous dire « Oulala, la cata !» Absolument pas, absolument pas. Regardez la tour, elle nous incite au changement, à exploser les choses qui ne vont pas ou les ennuis. Donc, en explosant la chose, la tour, regardez, arrêtez de regarder là, regardez ce côté lumineux. Plus vous allez creuser, plus vous allez aller vers la lumière. Les ennuis vont se terminer. Et pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des rencontres. Alors, au lieu de vous affoler, en regardant simplement la carte, prenez le temps. Prenez le temps de ressentir les choses. Regardez la lumière. Allez vers le positif. Allez vers la construction. Et vous allez voir que cet hiver, les choses se décantent. Moi, je suis contente. Vous allez vous détacher, vous allez arrêter de procrastiner et vous allez surtout, surtout apprendre à vous aimer. Alors oui, ça peut paraître compliqué, mais arrêtez de voir les choses sombres. Arrêtez de baisser la tête. Allez voir votre kiné. Un peu d'ostéopathie. Reprenez le contrôle de votre corps et de votre esprit. Et vous allez voir que cet ensemble-là va exploser vers des choses très intéressantes, vers des choses très positives, car oui, nous sommes tous capables de nous aimer, de nous apporter de la lumière, mais effectivement, il y a des efforts encore à faire. Alors n'oubliez pas, vous ne pouvez peut-être pas tout maîtriser. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'énerver, de s'épuiser pour quelque chose dont vous ne pouvez rien changer? Peut-être à méditer. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous et likez. À bientôt.